Putain les gars, les games dans la mine là, Game Crown, bah bof parce qu'ils ont Jinx, enfin ils ont Jin Yumi tu vois. Jin Yumi ça peut ça casse la couronne tellement facilement avec le Q de Yumi et le W de Jin, plus les traps et tout. Je vais voir. Et je pense que je vais jouer Luden Ingenious Zhonya. C'est pas horrible dans cette game mais c'est juste les pics en face qui sont chiants quoi. Ce skin fait perdre de la paix, ouais ce skin il est un peu flippy. Mais tranquille, je suis prêt à affronter cette draft avec le skin Etherdoom. Ok, oh le kill est sur Kana, c'est pas mal. Hein. Moi ça me donne un stack d'Ingenious, c'est pas mal. Alors faut cover son back. Putain, personne cover son back. Elle est pas dans le bush là. Je vais essayer de lui cover. Hein, mais... Faut y avoir un Q de Yumi ou. Bon là, la Kana doit slay la game. Hein. Kana contre leur team, c'est pas trop mal. Ils ont que des picks squishy. Il y a de l'armure en rune, ça m'est bien ça. Je vais stack wave, Q sur le level up. Et allez, Ward Leverace, nice. Ok, la Evelyn doit être là normalement. Peut-être qu'elle a start. Non, la start. Ok, c'est vrai, j'avais pas vu. Ça, on lui a mis des bons trades sans trop perdre de points de vie. Là, je vais pas toucher à la wave. Evelyn est là, ok. Pour l'instant, on est bien. Fuck, ah, ça, il prend le coup de tour. J'ai pas très bien joué là, j'ai pas vu qu'il avait le lead sur l'XP. Parce que ma wave était super avancée. Bon, au final, ça met très très bien parce qu'il va perdre son canon et moi non. Je vais pouvoir TP là-dessus, prendre ça, pink, je vais pas prendre sweeper. Et là, je me mets très bien. Là, ça push vers moi, lui il a pas de TP. Si all-in ignite, qui s'est mal passé pour lui, je vais avoir deux fois CCS. C'est assez agressif ce que j'ai acheté quoi, parce que j'ai pas pris close armor et tout, mais vu qu'il a plus de sum, c'est tranquille. C'est quoi ces golems là? Je vais essayer de keep le freeze. Il y a Lulu qui décale parce que là j'ai 3 range. Ah, le Z a un petit peu fuck up là. Je pensais peut-être que le charme d'Evelyn allait venir plus vite. C'est un peu compliqué au niveau du freeze là. J'aimerais bien lui faire perdre son canon. On a un bon early, c'est cool, déjà ça va m'aider mais contre la draft adverse. Parce que ça push vers lui, donc là dans tous les cas il va être dur à gank. Je mets un petit slow, petit Q. Nice. Oh j'ai repris l'aggro. Bon après Saint-Jed n'avait pas besoin de ça mais okay, j'ai mon R si Evelyn veut flipper une dinguerie. Je vais delay mon back pour aller warder les Vrace. Contre Evelyn en vrai c'est strong. Ok elle est mid. Bon ça va, ça se passe bien. Va falloir rester solide hein, parce que vraiment leur draft ça va être très très chiant. Est-ce que je go Seekers? En vrai c'est dur de systémiser là. Il faut gagner les gars, il ne faut pas perdre cette mid lane streak. Mais en face, ça, nano scale. Ça scale extrêmement fort. Vu que le Victor avait beaucoup de farm aussi au top. Le Victor a le double du farm du Saint-Jed, tu vois, il est même pas derrière, il prend un shutdown sur lui quoi. Juste parce que Saint-Jed a eu le malheur de faire 2 kills d'affilée. C'est le collab sur lui, mais Evelyn a son 6. Après, why not, hein, il revient aussi en lane en faisant ça. Ouais. Elle va pas mourir là-dessus. Ah ouais, stylé. Ouais. Meurs pas. Est-ce que le triomphe l'a sauvé ou le level up? J'ai pas vu. Ah ouais, c'est ridicule, j'ai pas tué la Eve là. Je savais qu'elle allait turn là pour mettre son truc. Je l'ai ground et tout, mais ça a même pas suffi. Les gars, faut qu'on gagne, hein. Je peux pas partir de chez moi avec une série de 3 défaites là. La mine n'est pas très clémente aujourd'hui. Bon, après, ça va, je suis 0 tilt, mais j'ai quand même envie de gagner. Ça va. Ouais, ok. Bah, bien joué à lui d'avoir couru tout droit. Enfin, genre vraiment, je pensais pas qu'il allait courir tout droit. Je sais pas s'il a fait exprès. Evelyn a pas son R et pas son flash, ça c'est bien, ça va pas mal la ralentir quand même. Elle peut me gank cette wave, mais bon. Ils ont pas d'ulti donc. On a 25 CS d'avance, 2 niveaux d'avance. Non, c'est sérieux. Le truc, c'est que là, il va avoir son ulti en fait. Alors là, je suis vraiment complètement doomed. Hein. Je vais devoir concede pas mal là-dessus, malheureusement. En plus, j'ai un énorme shutdown. Ils ont full CEO meta shutdown en face. Cette game va se gâter, les gars. Je vous le dis, ça va partir en couille. C'est inévitable, malheureusement. Commit sur mon Luden, hein. À moi d'être pixel. En fait, ils ont 2 des meilleurs picks meta shutdown, plus Victor, Jin Z. Nous, on a pas grand-chose, quoi. La Evelyn est déjà devant en XP, la Kana. Et on l'a bien gap sur le deuxième Q. Il a pris cher. Faudrait qu'Yana joue le Herald. Non. Normalement il doit mourir le Herald là-dessus. Parce qu'en plus ils ont Yumi qui peut pas roam de l'autre côté de la carte. Allez s'il te plaît, tue les tous là. Normalement ils sont tous morts hein, si elle joue bien. Ouais, on tue au moins 2 facile.
Bah, j'ai eu deux assists. Akadam, il y a un peu de temps arrivé, mais bon, ça va, ils ont mis du temps à me tuer. Le truc, c'est que je donne un shutdown sur Eve, c'est pas dingus, mais au moins dans les deux kills, qu'on joue le Herald. Après, j'ai quand même dû claquer mon flash. Par rapport à l'elo auquel on joue, la compo adverse est vraiment unfair, quoi. Peu importe l'avance qu'on a en early, la game va être ultra hard. Peu importe ce qu'on a mis au Z, le Z c'est un sacré volet, hein. Je pense qu'il faut qu'on cherche à tuer mid Herald, il reste que 3,2 plates. Je vais sans doute pas TP là-dessus. Ah, si je vais TP. Le problème c'est que c'est Yumi et Evelyn Z quoi, donc Là j'ai touché. Ouais. Yep. J'ai quand même eu la Yumi avec mon poison. Oh, le level de Kiana, c'est... On s'en sort pas trop mal, mais c'est pas suffisant contre leur draft. Victor a 56 avances, lui il en a 25. C'est avec mon champion, je vais vraiment pas pouvoir carry quoi. Bah après on a une Kiana qui est ni trop faible, ça c'est cool. Sachant qu'on a quand même beaucoup d'AP dans la team, ça m'aide plutôt bien. Et le Jin a bien joué le move, hein. Ça ils ont bien joué le move en face. Enfin le Jin a bien joué le move, les autres pas trop. Parce que là on a vraiment aucune value de notre botlane. Mais Kiana est astro fed. Et ça... Il va péter un plomb, il s'est pris d'où? Oh, elle est grounded! Mais attends, mais mon Q-spell était Elo boosted. J'ai eu combien de proc Luden avec ma tech dans le fight là? J'en ai eu deux ou trois? Il y a moyen que j'en ai eu trois. Hein. Que là, je joue Ingenious Luden, c'est vraiment pas mal. Mais il fait quoi en fait? Ok. J'ai pas trop compris, il a voulu revenir sous tour en mode... Il a peut-être oublié que sa Yumi n'était pas là, sans doute. Putain, on a des turbo shutdown, faut vraiment que ce soit fixé. En fait, tu vois, cette game-là, je suis censé me sentir bien, buillé d'une victoire et tout, mais non. Je joue contre des Astro CEO de la méta shutdown, Evelyn Yumi. Let's go, en mode execute. Je sais pas si la dernière balle du Jin m'aurait tué ou pas. Je vais faire ça, je prends un sweeper, ouais. Et je vais aller défendre top. Ah, le Z avait vraiment pas trop de dégâts, hein. C'est ça qui m'est bien. L'armure nous a bien aidé aussi. Je pense pas que ça m'aurait tué, hein. Je pense que j'aurais survécu à 10 HP. Parce que il est niveau 10, il est pas niveau 11, hein. Son R et R1. C'est winnable, mais c'est loin d'être gagné. Yumi, Evelyn, Victor. Le Victor est bien, on l'a pas encore vu en action, mais il a 150 CS, Tiefer Strike, et son kill c'est un shutdown. J'ai hit. J'ai touché mon Q. Je suis vraiment pixel perfect par contre. En fait là je savais que... Oh merde. Ah bah stylé, elle a pris 1000 gold de shutdown. En fait là je savais qu'il allait turn en fait au moment où je me suis fait stun. Du coup j'ai buffer mon Q genre le dixième de seconde avant de me faire stun et j'ai pu le chase et le tuer. Mais bon, gros shutdown sur Eve. Après c'est censé faire de l'espace pour la team quoi. On a tué le Victor et Vinyl Newtop. On est censé prendre des trucs quelque part. Je vais faire Archange du coup. Allez les gars, fumez-moi cette Yumi s'il vous plaît. Par pitié. On va le voir remonter. Oh. Est-ce que je TP? Non. Ouais, j'ai bien fait de pas TP. Il y a notre blue dans 1,40. Ok, Z avec le shutdown, c'est cool. On préfère clairement qu'il y ait des golds sur Z que sur les autres. Hein. Genre large de chez large. Je back pour mon item. Hein. J'ai le back du Herald. Merde, attends, j'ai failli pas ramasser. C'est la maladie, ça. Ça fait perdre mon focus. Bon, ça, pour l'instant, mécaniquement, on les a bien arrachés dans la game. Mais c'est pas gagné. Full focus. Bah écoutez, Yumi c'est bien design, Imo. Je pense que le pic est bien design en vrai, du coup ça fait plaisir. C'est dingue, genre, on est vraiment meilleur que les ennemis, tu vois, genre, pour avoir gagné leur lit, la manière dont on a gagné et tout. Mais moi et mon équipe, on a vraiment peu de chances de gagner la game contre cette draft là à cet elo. Sadly. Faut que j'aille faire le blue. Il y a 5 jets, vas-y, on va y aller. Ah, j'ai réussi à Q. Elle est morte, j'ai E. Y'a le Nash, on peut Nash hein. Est-ce qu'on peut Nash? Eve non on peut pas, on peut pas. Faut choper tous les camps et reset là. Yumi joue mieux, tu es juste jaloux Marex, ouais peut-être. Je suis peut-être déludé hein. Je l'ai ground, elle est baisée. Pixel.
Je l'ai Q, il va prendre cher. Allez les gars, finissez le travail s'il vous plaît. T'en vas quand même pas tuer que Yumi là. Mais Victor est full tank genre. Ah, c'est ridicule. Genre la Yumi arrive à int avec Yumi et on n'arrive pas à avancer tu vois dans la game. Alors qu'on doit être à je sais pas combien de milliers de gold d'avance. C'est très grave. Hein. Je ne lâcherai pas cette game les gars. Je ne la lâcherai pas. C'est unfair. Mais j'ai touché un Q, je pense qu'elle win. Let's go. Oh là 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 là. Allez winnable. Ok, Ace, Herald, mon Herald est là. Attends, on peut peut-être gagner, c'est peut-être fini. Ah non, Jinx c'est pas là, ça va être chaud. Stay positive, never settle, full tryhard, winnable. Bon là ça va, le Victor il est arrivé sans sa couronne, mais bon, les heals de la Yumi m'ont fait mal au cœur. Très malveillant les heals de la Yumi dans ce fight, enfin les valeurs en vrai c'était absurde. Il y a du CEO en face. Ça l'a pas hit là, ah, par contre c'est mal payé de ouf non. Il était face à moi, enfin il était face à moi mais pas... Ah, il était dans les 180 degrés tu vois. Mais bon ça va, Lulu est pas morte. Ils sont deux ici, est-ce que je TP bot? Non. Ok, le Q touche deux personnes, trois même. Non mais c'est... Genre est-ce que vous vous rendez compte à quel point la game est difficile et à quel point elle peut vite être perdue, sachant que enfin on a une avance et on gap les mecs tout le temps avec la team tu vois. C'est une vraie question tu vois. Tu vois, il y aurait peut-être qui se disent ouais le score c'est 35-18, c'est free. Mais là le pourcentage qu'ils ont en fait de gagner la game par rapport à leur niveau de jeu est vraiment vraiment triste quoi. Mais bon les pics qu'ils ont vis-à-vis de la méta et vis-à-vis des nôtres, ça leur fait marquer beaucoup de points quoi. Je vais faire l'Oblivion Orb là mais... Je sais pas si on peut nage là-dessus. Je sais pas si c'est Ward ici, de toute façon j'ai mon sweeper. J'ai triple Q, je fais flash. Ok, on a zoné la Eve, mais... En vrai on est low-key 0v10 cette game. Quel enfer putain. Bon ça va, je vais pouvoir acheter les deux trucs que je voulais acheter du coup. Par contre je n'aurai pas de flash pour la suite. Ah ça va, on a empêché la Evelynn de steal. J'ai du tout claqué mais on n'a pas donné le shutdown donc c'est... On a eu le Nash surtout donc let's go. Ok, let's go. Mais t'as vu ce que j'ai fait? T'as vu ce que j'ai fait Evelynn sur le Nash? J'ai zoné. Oh je suis 1v9. Tu connais mon KDA mais pas mon histoire mec. Ok go focus, go focus. Mais en vrai dans toute cette histoire le seul problème dans la rave c'est vraiment Yumi tu vois. C'est Yumi combiné avec les champions qu'ils ont mais tu mets n'importe quel autre support du jeu en vrai c'est relativement fine quoi. Mais bon c'est Yumi hein. J'ai besoin de faire deux dessins. Ça touche. Je me fais tellement zoner, c'est horrible. TQ là, ça touche, nice. Allez les procluden. Yumi. Quel enfer, putain. En fait, même si t'as de l'anti-heal, tu peux pas empêcher les heals de Yumi en phase de siege, tu vois. Tu vas pas les réduire. Mais c'est ça les heals de Yumi qui nous font vraiment chier, c'est ça quoi. C'est qu'on peut pas out-siege les mecs. C'est un truc de fou hein. Victor et Oum. Ok Victor. Attends, Victor vient d'air dans le vent là. Ah là 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 là. Evelynn, Hugo. KDA Evelynn. Par contre, je joue tout seul dans la team ou pas? J'espère qu'on a au moins la soul là-dessus. Je peux vraiment rien faire de puissant. S'il vous plaît. Oh oh oh. Par contre, Yumi Evelynn, on parle quand même. Enfin, peut-être du combo le plus fort du jeu en solo queue. Bonne chance à tous. Oh! Oh oui! Oh oui, fume là, s'il te plaît! Et let's go dans mes veines! Ah. J'ai cru qu'elle allait s'en sortir. Frère,
Qu'est-ce qui m'a mis autant de dégâts? Le djinn m'a mis 500 de dégâts magiques. Après j'ai pas de RM mais sa gale force m'a mis 500, genre c'est 20% de ma vie, tu vois. Je peux utiliser mon élixir, c'est my bad. Après ouais j'ai pas de RM hein, j'étais face à Victor donc j'ai aucun moyen vraiment de jouer le fight contre Victor quoi. S'il est pas golémique, il y a pas de... En une seconde ou deux il m'a déjà one tap et en une seconde ou deux je peux pas lui faire d'ombre vu qu'il a sa couronne. Et même si je touche mon R mais qu'il a déposé le sien avant, je meurs quand même. On a besoin du singed en fait pour nos setup. Bon moi on a eu la soul, on va juste jouer le Nash. Mais là le gros problème c'est que j'ai perdu mon flash et mon flash est censé vraiment débloquer notre phase de siege pour qu'on finisse la game derrière. J'ai pas été pixel perfect là. J'ai besoin du blue, j'ai pas énormément de haste. Enfin j'en ai beaucoup mais j'ai pas fait cosmic dans la game donc Ah Yumi c'est vraiment unfair quoi. C'est pas... En fait LOL est un jeu vidéo, mais là cette game n'est pas un jeu... une game dans un jeu vidéo en fait, plus qu'à Yumi. Oh, c'était tellement close. J'étais pas bien. Hein. En tout cas, je vous jure les gars que si la Qiyana était pas mais ni trop pixel perfect, on a aucune chance de gagner contre Yumi et compagnie là. Bon c'est... je dis ça, c'est même pas encore gagné hein, mais. La Qiyana est en 13 indices quoi, elle a fait aucune erreur de la game presque. Non mais par contre, enfin, là je vois les lignes telluriques en fait. J'ai réussi à toucher le Q sur Evelyn en blind. On peut pas lose cette game, c'est pas possible. Bon là il joue comme un golem mais je peux rien faire tu vois. On va pas gagner la game là-dessus encore je pense. Il a juste à mettre sa zone sur moi et c'est fini tu vois. Après c'est normal hein, c'est Victor late game contre Cassio. C'est dommage, je pensais que ouais on a pas pris beaucoup d'HP sur la T4. On va peut-être avoir besoin d'Elder Nash hein. En dernier item je peux faire un visage spirituel. Vu qu'on a Lulu plus Archange et tout, c'est pas mal hein, dans cette game. Je devrais peut-être partir là-dessus. Allez, il faut interrompre cette loose streak. On ne lâche rien. La Yumi n'était même pas sur le dos d'Evelyn. La Evelyn a fait un item défensif en 4. Cake. Je peux tenter un giga clutch move comme ça, hein, mais bon. Ok. Allez, s'il vous plaît, les gars. Après, sur l'Elder, hein. On peut se split éventuellement. Le truc, c'est que j'ai burn mon flash, mais bon, ça va peut-être avoir Elder Nash. Et même avec Elder Nash, c'est pas fini, hein. No cap. Allez, please. Aïe, 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 aïe. C'est cringe, quoi. Il y a une Evelyn qui a le droit de m'engage sans avoir de flash. Mais ils n'ont pas vu que j'avais le bisou. Enfin, la Lulu n'a pas vu, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah, la récup son ulti, là, du coup. La game est finie, je pense. Okay, okay. Enfin, je suis là dans 20, mais je pense qu'on a perdu en vrai. Faut que tu back Jinx. J'aurais pas mon visage, ils sont 5. Bah, c'est terminé normalement. On va essayer, mais je vais prendre un élixir bleu. Tuer Oluden, j'ai pas ma TP. Ça va, j'ai pas de choke. Go chase. Bon, bah de rien pour cette game. Moi, je pars casse, les gars. De rien pour les services. Attends, il finit ou pas? La game est finie, c'est bon. C'était pas facile, bordel! Mais c'est pas normal. C'est pas normal que la game soit aussi dure, genre. Parce que la Qiyana a vraiment été insane, hein. La Qiyana a peut-être même mieux joué que moi, tu vois. Après, parce que notre botlane a pas. Enfin, notre botlane n'a pas été dingue, mais ils ont pas été moins bons que la botlane adverse. Genre, le Jhin a vraiment, vraiment fait beaucoup d'erreurs. Enfin, mon vis-à-vis est en 7-19. C'est un truc de fou, hein. Bon, moi, c'était une belle game. En vrai, je suis vraiment content d'avoir gagné. C'était une belle game.